Apparemment oublié. D'accord. Oh! Allez, putain. Alors. Voilà. Ensuite, il y en a des masses quand même. Il y en a des masses. Voilà. Ouais. Ça a l'air d'aller pour le moment. Cycle. Bientôt appel répondre. Le cycle. Le cycle. Ah, dommage, 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 dommage. Ah, ce saut de l'infini, mon Dieu! Aïe, mais je me suis quand même relativement bloqué. Ah non! Au final. Ah si. Bon alors, c'est pas grave. Et ça, c'est quoi? D'accord, c'est pour refaire revenir ici, d'accord. Donc je suppose que ça doit être la dernière étape. Tout bien entendu. Ouais, bon, en fait, ça n'était qu'une petite gauge. D'accord. Tac, tac, tac. Bon, oh non, c'est pute ça. Oh, magnifique! Allez, c'est parti, on y croit. Oh, c'est dommage. C'est très dommage. Ah, c'est très très dommage. Boum! Je te la mets. Merde, dommage. Allez, allez, c'est la fin. On va pas se laisser abattre pour autant. Hop, tout simple, pépère, hop, on y va. C'est... Oh, connard de bloc. Ouh, magnifique. Allez, allez. Dégage-toi. Non! Ah, putain. Obligé. Oh putain, mais genre, je lui tire dessus, merde! Dégage, dégage! D'accord. Donc. De gauger, hein. Est-ce que déjà on peut escalader ici? Bon, là on peut plus. On aura essayé. Le truc, il est vrai. Ouais, là ils ont bien prévu le coup, hein, de se dire hey, vous pourrez pas escalader! C'est condamné, allez vous faire en cul. Non, après, bon, pas rentrer dans le vulgaire, mais... Bon alors là... Allez. Tac. 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 Oui, magnifique. Oh, il n'y a pas de chargement. Vous êtes sérieux, les gars? Qu'on est super content. Voilà.
ça, je suppose. Ah non, j'ai rien dit. D'accord. Donc, où vais-je devoir aller? Oh, oh, j'ai dit. Voilà, ne fais pas chier, toi. Alors. Ah non, c'est là. D'accord, j'ai rien dit. Donc, il doit y avoir un truc à activated. Ou pas du tout. Parce que si on est malin... Waouh, c'était quoi ce bug? Non, c'était pas un bug, pardon. Voilà. Parce qu'on est capable de faire du bien. Non, après je pense pas que je sois capable. Ah non, donc... Quoi? Attendez. Vous allez pas me dire... Mais dégage-toi, putain, me casse les couilles celui-là. D'accord que là, c'est arrivé. Alors vous allez pas me dire qu'il faut que je fasse de même. Ouais non, mais tu peux pas me vaincre parce que je suis comme ça. Ah non. Il faut que j'en fasse de même avec cela. Bientôt je vais transmettre, rencontrer mon cul sur ma commode. Hop, on en profite pour gruger à max. Ah putain. Ouais non, ça pue l'embrouille ça. Donc on va y aller pépère. On a dit pépère. Waouh, calme-toi, c'est. Est-ce que je... Non. Et où... Ah oui, mais merde, j'ai rien dit. Eh, vous voyez la différence de gruge, hein, quand même. J'ai réussi à aller jusque-là. Waouh. Mine de rien. Non, mais tu crois que tu vas me la mettre ou quoi, toi, petit bloc de merde? Oui, bon, tu me l'as mis, d'accord. Oh là 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 là! Hop, tout en tranquillité. Parce que là, si je passe comme ça, voilà, le but c'est de faire ça, ça. Là, on ne réfléchit pas. Je sais pas ce que j'ai fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, on recommence juste. Oh, ce jump de malade, n'empêche. Ah, c'est pété, hein. Ouh, voilà. Non, parce que le but, c'est franchement d'y aller comme un gros naze. Hein. Alors. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Forcément, si je me trompe. Oh non! Oh non! Putain! Non, mais c'est de ma faute. J'ai relâché mes touches pour m'étirer les doigts parce qu'il faut savoir que. Oh putain! Il faut savoir que quand on appuie sur la touche de dash, on ne peut pas avancer en fait. C'est-à-dire que quand la touche est enclenchée, même si le dash est fait juste après, on ne peut pas prolonger notre distance en avançant. Ça nous fige sur place! Donc ce qui fait qu'il faut qu'on relâche au dernier moment la touche de dash en fait. D'accord. Voilà, donc que je ne fasse pas la connerie de relâcher la touche et de confondre le saut du dash, putain. Hop, voilà. Ceci étant, alors. Que nous reste-t-il à faire par ici? Ok.
Attendez, faut pas chuter pour remonter, ça n'a aucun sens. Oh le bumper, oh le bumper de la violence. Ouh, impeccable. Magnifique. Oh génial. Attendez, parce que là je crois que je vais faire une connerie. C'est bon là ou... Ah c'est que c'est bon. Oh magnifique. Ah d'accord. Au moins on a réussi. C'est le principal. Ah merde, mais quoi, Kezako? Voilà, d'accord. Alors, celui-là on l'a fait. Celui-là n'a pas été fait. Donc, active-toi ou je m'énerve. Et donc voilà, d'accord. Donc, ok. Ouais, moi je suis comme ça. Ouch. Bitch. Oui, parce que si on peut gruger. Oh là 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 là, cette violence, mais... Quoi? Mais ça n'a pas de sens, ça. La violence du jump à l'état pur, présenté par Kokojima. En signe de non-respect. Ah oui, d'accord. Je vais t'utiliser bon gré mal gré. Ah merde, vas-y, viens ici, s'il te plaît. Ah ouais, ok. Non, merde, ouais, là, je m'en doutais. C'était un peu... Wow, quel magnifique... Explosion. Non, non, non. Hop, bon. On va y aller tranquille. Ah. Alors, tac. Bon, les dégâts, on s'en fout. Voilà. Donc, il me faut ce carré. De la sympathie. Voilà. Mais non, mais tu n'as pas compris le sens de ce que je voulais faire. Ah ouais, remarque. Ah! Ah, ça peut le faire, en fait. Use carré, viens là petit carré. Bon viens là, c'est pas quand on aura plus besoin de toi que... Ah à moins que je puisse... Ouais non. Qu'est-ce que vous me faites là? Oh yeah. Ah bah génial. Ouais c'est génial, je comprends absolument rien, c'est le bordel total. Donc on va aller ici. Hein. Oui, là, en effet, c'est un peu le bordel. Allez, j'ai un petit peu surdosé le saut, là. Mais, ouais, non. Mais non, putain, je le sais, mais faut pas trop sauter, quoi. Mais non! Oh, puis cette manie du spawn... Voilà. Ah, ça m'avait manqué, ça, tiens. Mais non. Non, parce que pour qui m'emmène là-bas, c'est qu'il y a... C'est qu'il y a quelque chose qui est censé... qui est censé faire. Non, mais dégage, putain, tu me saoules. Ah, ça m'a rechargé mon truc, en plus. Excellent. Voilà. Nickel, vous avez vu ça un peu? Allez, allez. Allez, mais non, mais non, mais non. Ah oui, d'accord. C'est qui? C'est carrément. Voilà. Donc maintenant, pourquoi il me fait descendre ici? Moi, c'est la question que je veux savoir. Un bumper de malade. Ah.
qu'est-ce qu'il y a ici? Parce que ça, c'est le seul que j'ai pas fait, en fait. Donc le truc, c'est que ça me rend curieux d'y aller, mais de l'autre, je me dis, si j'y vais, et que... Ah ben non. Donc écoutez, c'est pas grave. On va utiliser... Wow, magnifique! The Bumper, quoi. Ouais, mais non, mais quitte à l'utiliser, le bumper, autant le faire correctement, bande de cons. Alors. Voilà. Alors, attendez, celui-là... Ah oui, ben voilà. Ça a activé tous ces bordels. Ok. Wow, non, foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix, putain. Allez. Oh, on arrive à la fin! What? De quoi? Magnifique! Oh oui! Nous allons enfin voir le jour. Ah, vous êtes sérieux, les gars? J'ai effectué l'ascension! 2h40! Mais qu'est-ce que se passe-t-il après? J'ai envie de dire. On a quand même pas fini, parce que l'ascension pour... Oh mais c'est pas fini! Waouh! La voie lactée. Oh, énorme! D'accord. Oh, de l'eau! Enfin, toi, arrivé ici. Putain, même quand j'ai pas le son, j'en frissonne. Magnifique. Wow. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Non, 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 non. Oh, putain, merde. D'accord. Oh là là. Ah, je suis déçu de me dire que j'ai pas de son. Ça me fait super chier. Quoi? Qu'est-ce que j'ai activé Aided là? C'est assez barré quand même. Hein. Je ne sais pas. Ouah, les sprites! Oh, les sprites de nuages! Alors voilà, vous voulez savoir ce que c'est qu'un sprite? C'est une image 2D en fait, qui bouge en même temps que vous pour donner l'aperçu de 3D. C'est génial ce qu'on peut faire avec l'Unreal Engine. D'ailleurs, pour les intéressés, l'Unreal Engine 4 est sorti. À titre de 19€ par mois et auquel vous pouvez vous désabonner une fois que vous avez atteint acheter les 10. Par exemple, vous achetez votre Unreal à 19€ par mois, c'est vous payez 19€ par mois si vous voulez continuer de l'utiliser. Mais par contre, vous pouvez annuler à la fin de votre premier mois votre engagement auprès de l'Unreal Engine et vous pourrez conserver votre Unreal, transmettre. Briser le sceau étincelle. Ah oui, donc j'ai pas tout récupéré en fait. Ça, c'est les mondes.
D'accord. Un truc qui m'en... Ah non, qui est encore là? C'est quoi ça? Waouh! Waouh! Raconter telle histoire, étincelle, blablabla. Un seul pourra franchir la porte du sanctuaire. Un seul se verra confier le secret qu'il faudra taire. Encore et encore, sans relâche, il reprendra l'ascension. Délaissant son enveloppe, il achèvera la transfiguration. Ainsi va le cycle, le pacte fut scellé, le don consommé, grâce au sacrifice de l'élu, l'ombre sera repoussée. D'accord? Bon, eh bien écoutez, je ne sais pas ce qu'il faut faire, donc je pense Il faut récupérer, je suppose, toutes les étincelles du jeu pour avoir tout simplement la fin du jeu, je pense. Parce que là, je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. J'ai eu. Bah, vous avez vu, hein, j'ai déverrouillé cette espèce de truc par les étincelles que j'avais attrapé, justement. Mais comme je n'ai pas toutes les étincelles du jeu, peut-être que. Je ne sais pas, en fait. Donc, je suis assez perplexe sur la fin. Donc, écoutez, on va s'arrêter là. Moi, entre-temps, j'essaierai de trouver, de voir la potentielle fin possible, si c'est bien en récupérant toutes les étincelles ou non. À la limite, je ferai peut-être, hein, c'est pas sûr du tout, une fin pour montrer réellement la fin du jeu, si c'est bien par rapport aux étincelles à récupérer. Sinon, ben voilà, le jeu, je pense qu'il est, il est terminé, hein. De toute façon, là, on est arrivé au bout, on peut pas faire grand-chose d'autre. Donc, voilà, bah, donc c'était un jeu quand même relativement bien, vraiment un bon jeu de plateforme bien comme il faut. Je suis encore déçu d'avoir des problèmes au niveau de ma carte son qui ne soit pas réellement compatible avec le jeu. Pareil, j'essaierai de trouver des codecs, etc. Parce que le jeu fonctionne au démarrage en fait, mais après il n'y a pas de son. Donc voilà, donc écoutez. Le jeu en lui-même est relativement bien quand même, hein, pour les speedrunners et autres genres de jeux de plateforme comme ça en try and die entre guillemets. Ça peut plaire aux personnes qui sont un petit peu amateurs de ce genre de jeu. Je pense vous trouverez votre compte sur ce jeu. En attendant, moi j'ai beaucoup aimé. Je pense que je le speedrunnerai peut-être pas tout de suite en attendant parce que j'ai pas mal d'autres trucs à faire, mais je pense que ce jeu-là, je vais le speedrunner un bon paquet de fois, je pense. Donc, voilà, écoutez, je sais pas trop quoi dire de plus sur ce jeu, hormis le fait qu'il soit extrêmement bien. Pas grand-chose à dire. Il a une bonne difficulté, il est bien fait, il y a beaucoup. Il est relativement long, hein, mine de rien, vous voyez, j'ai mis 5h17 pour le faire, et encore, j'ai pris le temps, hein, aussi, mais voilà, c'est un jeu qui vaut son coup d'œil, on va dire, voilà. Donc écoutez les amis, cet épisode est à présent terminé, donc merci de m'avoir suivi. Vous aurez bien entendu d'autres épisodes à venir qui sont, hein, de toute manière, quand vous verrez la fin de cet épisode, les autres épisodes que vous verrez auront déjà été uploadés bien 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 à l'avance sur YouTube, qui ne demandent qu'à être diffusés. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour le prochain numéro et le prochain épisode de d'autres PL. Et d'ici là, portez-vous bien et amusez-vous bien. C'était Kojima pour Deadcore et je vous dis à bientôt.